Richard Gere considère son père comme un « heroes » qui lui a transmis tout son savoir. Ayant fondé sa propre famille, l'acteur a mis en pratique tout ce qu'il a appris de son père. Il lui a toujours été reconnaissant, c'est pourquoi il a donné à son premier enfant, le nom de son père. Pretty Woman, Richard Gere est probablement l'une des stars hollywoodiennes les plus populaires du monde, mais il vient d'un milieu ordinaire. Issu d'une famille modeste et nombreuse, l'acteur a passé son enfance dans une ferme à Syracuse, dans l'état de New York. Sa mère, Dory, a été élevée à Brooklyn, la ville où elle a rencontré son mari, Homer Gere. En 1945, les amoureux d'enfance se sont mariés et ont déménagé à North Syracuse pour fonder une famille, composée de leurs 5 enfants. Richard Gere et sa mère Dory Gere. Source: Getty Images. Malgré les difficultés de la vie, ils ont réussi à inculquer à leurs 5 enfants de très bonnes valeurs morales. De plus, Dory et Homer n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils se sont battus pour donner à leurs enfants la meilleure éducation possible. Richard qualifie ses parents de super-héros de la vie réelle, car ils lui ont donné les moyens nécessaires pour stimuler sa créativité. Richard Gere, le 05 août 2022. Source: Getty Images. Selon l'acteur de Unfaithful, ses parents ont toujours accepté ses choix. Ils ont recruté des spécialistes qui ont amélioré les competencies de leurs enfants. Il a admis: Nous n'avons pas été élèves avec beaucoup d'argent, et les efforts nécessaires pour avoir une éducation et des professeurs de musique étaient une chose extraordinaire. Bien qu'il ne soit pas né avec une cuillère en or, Richard apprécie les efforts de ses parents. Tout en se rappelant son enfance, lors des honneurs au gala du City Harvest Festival 2019 mardi, l'acteur a rendu hommage à son père pour avoir été un homme bon et juste. D'avoir hérité de ses qualités. Homer Gere. Source: YouTube. Richard a expliqué que Homer ne supportait pas de voir une personne souffrir. Il affirme que son père n'hésitait pas à venir en aide aux autres. Et Homer a eu 100 ans, et l'acteur a organisé un dîner d'anniversaire intime dans un restaurant de pâtes de leur ville natale. La star de Pretty Woman, lorsqu'il s'agissait d'argent, et que Homer ne pouvait pas aider financièrement, il cherchait d'autres moyens comme un sourire ou un câlin pour apporter du réconfort. Au fond de lui, il se sentait toujours obligé de venir en aide aux autres sous quelque forme que ce soit. Richard Gere, le 05 août 2022 en Italie. Source: Getty Images. Le célèbre acteur a ajouté que son père a lancé un Meals on Wheels dans sa ville natale, auquel il s'est consacré toute sa vie durant. Il explique que Homer préférait une voiture de type chausse-balle, parce que le coffre était à la bonne hauteur pour lui permettre d'emporter les repas à offrir à ses voisins, ce qui lui évitait de se pencher. Meals on Wheels America est une organisation à but non lucratif qui subvient aux besoins de milliers de personnes à travers différents programmes dans tout le pays. La première du genre a été fondée dans les années 1950 à Philadelphie. Richard Gere, le 15 octobre 2018 à Cannes. Getty Images. Cette association couvre de nombreuses actions de bénévolat dont la livraison d'aliments nutritifs, les visites amicales et les contrôles de sécurité pour les personnes américaines du troisième âge. Ces actions ont pour but de leur offrir une meilleure vie. Alors qu'il discutait à ses droits d'auteur ouvert avec son père âge, Richard lui a demandé ce qui l'avait poussé à devenir un bénévole de Meals on Wheels. A répondu: Il y avait une sorte de maison abandonnée, c'est là que nous avons commencé avec la popote roulante.
Nous répondons en quelque sorte aux besoins des personnes âgées. Vous pouvez sentir que quelqu'un d'autre bénéficie de votre vie d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir bien, je pense. L'acteur Richard Gere, le 31 mai 2017 à Madrid. Getty Image Richard a révélé que c'est l'influence positive de son père qui la pousse à rejoindre cette association. Elle donne un excellent exemple à son fils, qui aspire également à être un bon père. Cependant, l'acteur n'est devenu père qu'après la cinquantaine. Le premier mariage de Richard, avec le mannequin Cindy Crawford, a été de courte durée. Vécu sa seconde histoire d'amour avec l'ancienne actrice de James Bond, Carey Lowell, de 12 ans sa cadette. Carey Lowell et son fils Omer Gere, le 14 mars 2010 à New York. Source. Getty Image. Le fait de devenir père à cet âge n'a jamais été un problème pour Richard, car pour lui, mieux vaut tard que jamais. Avec Carell, qui a débuté en 1996, était placée sous le signe de la discrétion jusqu'à leur mariage. La star de Unfaithful s'est confiée sur leur relation, expliquant qu'ils étaient prêts à passer à l'étape suivante. Bien que Lowell avait déjà une fille née d'un précédent mariage, cela n'avait pas d'importance pour Richard. Déclare au Daily Mail. Elle a changé ma vie. Le mariage a un sens si vous le faites avec votre ses droits d'auteur pur. Une étape importante pour nous deux. L'acteur Richard Gere son fils Omer, le 26 juin 2009 à New York. Getty Image. Le couple a eu un fils, Omer Gere 2, qui est né avant leur mariage. L'acteur a goûté aux joies de la paternité à 50 ans, et il a donné à son premier fils le nom de son père. Richard était aux anges après la naissance très attendue de son fils. En parlant de son enfant, l'acteur a mentionné ceci. Il est la joie de ma vie. Il a beaucoup de qualités. Il aime la musique, il court vite, il est très intelligent et il est très drôle. Rapidement appris l'ironie, une qualité indispensable pour tout être humain. Omer Gere, Richard Gere et Omer Gere 2. Source. YouTube. Richard ne s'est jamais lassé d'être papa, mais son mariage avec Lowell a commencé à battre de l'aile après plus d'une décennie. 2012, l'ancienne James Bond girl a demandé le divorce, invoquant leur différence de mode de vie comme raison principale. Diverses sources, Richard voulait de l'intimité de la sérénité tandis que sa seconde épouse préférait faire la fête. Internaut a révélé, ils ont une maison à Bedford, et il aime cet endroit parce que c'est calme et qu'il aime la solitude. Faire être à North Haven sous les feux des projecteurs. Le couple a demandé la garde partagée de leur fils, mais les détails du divorce se sont transformés en véritable bataille. Il a fallu 4 ans de procédure judiciaire pour qu'il trouve enfin un accord. Son fils Omer James Yigme gérait un ami, le 22 juillet 2014 en Italie. Source. Getty Image. Les avocats des deux parties ont refusé de donner les détails de cet accord. Malgré le divorce, Richard reste fidèle à son rôle de père. 2015, il a expliqué que son fils reste sa priorité et qu'il ne peut pas entamer un projet sans son accord. Pour lui, la famille est plus importante que tout. Avant cette confidence, Richard avait déjà retrouvé l'amour, cette fois dans les bras d'une militante espagnole, Alejandra Silva.
Richard Gere à Legendre à Silva, le 14 août 2022, en Espagne. Source, Getty Images en 2019, l'acteur a accueilli son second enfant, Alexander. Suivante, son troisième enfant a vu le jour. Malgré les différentes étapes qu'il a traversées dans sa vie, notamment les mariages et la paternité, ainsi que le dévouement à sa famille, Richard reste reconnaissant envers son père, Homer. Richard Gere, son père Homer Gere. Source, YouTube au fil des ans, il la considère comme une idole et il a soutenu les programmes Mules on Deal du patriarche. En 2010, la légende du cinéma a déclaré, il a toujours été mon heroes. Richard Gere, son père, le 14 septembre 2017 à Toronto. Source, Getty Images Homer continue de montrer sa passion pour aider les gens, malgré son âge. Son épouse, Dory, est décédée à 91 ans, à North Syracuse. La solitude ne l'a jamais empêché de faire ce qu'il aime, aider les autres. Richard est le fils que beaucoup de parents souhaiteraient avoir. Reste près de son père, l'aidant et le soutenant par tous les moyens possibles. En mai, Homer a eu 100 ans, et l'acteur a organisé un dîner d'anniversaire intime dans un restaurant peste de leur ville natale. Lua passe la soirée avec d'autres personnes qui semblaient ravies d'assister à un tel événement avec le bénévole de Mills on Deal. Le lien entre Richard et son père prouve à quel point l'acteur respecte les sacrifices et l'engagement des personnes âgées. Star de son père centenaire, Richard est sûr de transmettre le même amour à sa progéniture. À ses yeux, il n'y a rien de plus important que la famille. Vous pouvez aussi lire, Robert De Niro se tue au travail à 79 ans pour assouvir la soif de son ex après l'avoir empêché de toucher la somme de 250 millions de dollars. Abonnez-vous à mon mame sur Google.